tiens ici. Non, non, non. Je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Hein? Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore 2 ans. Et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça ne va pas, Duncan ? Non, c'est rien. Rien d'important. Bonnet, tu connais un coin pour se reposer ? Je ferais bien un petit somme. Ou une siesta, je devrais dire. Je dois me rendre dans une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous y conduire. Bon, allons-y. Eh bien le bonjour les amis, donc on se retrouve pour l'épisode 2 du Let's Play d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Donc là, on est directement en mission, on s'est laissé ici avant d'arriver quoi. On va suivre Steed Bonnet, le mec qu'on avait rencontré dans l'épisode 1. Donc là, il transporte du sucre, lui, là. Et on se rend dans une taverne, il me semble bien. Non, il faut les payer pour avoir ce privilège. Wow. Quelques dizaines de reales pour chaque heure en leur compagnie. Ça te tente ? Non, par le ciel, non. Je suis un homme marié. Les hommes mariés, c'est leur spécialité. Il y a des gardes, là. Ça a l'air bien protégé. Voilà une shop où un homme peut trouver de quoi se défendre. Je devrais suivre votre exemple et acquérir une de ces lames, Duncan. Ce rasoir rouillé ne vaut pas le coup. Peut-être bien, mais à côté de vous, j'ai l'air d'un chaton inoffensif. Peut-être qu'une bonne dague me conviendra. Allons voir. Je devrais m'acheter une épée, on me prendra plus au sérieux. Oh, nous ferons la paire, vous et moi, aussi féroces l'un que l'autre. Faites-moi quelques reales, mon ami. Je viens de te sauver la peau. Ah, mais bien entendu. Merci. Il n'avait pas l'air trop sûr, hein. Mais oui, je l'ai sauvé. On va voir ce qu'on peut trouver ici. Une épée. Non, il y a des épées, des pistolets, voilà. Des pistolets. Non, on peut pas encore accéder à ceci, mais on peut accéder aux épées. 800 reales, 1200, 3000, 5000. Bon, ensuite ça monte, hein. Donc on peut seulement se permettre une épée à 800 reales. Un sabre britannique, ça fera l'affaire pour l'instant. Oui, confirmé, waouh! Ah, ça me convient davantage. Oh. Et toi, Bonnet? Hélas, je n'ai pu m'offrir qu'un poignard. Il sera bien utile en cas de malheur. Oh, sacre bleu! Je nous ai égarés, Duncan. Ne t'en fais pas, je vais prendre un peu de hauteur. Où est-ce qu'on doit aller? Une taverne avec une sorte de cour intérieure. Y a pas de problème, je vais voir ce que je peux faire, Bonnet. Reste là, je crois qu'on devrait monter en haut de ça. Hein. On va changer de côté. Jacques Doigt est un hameçon. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai marin. Oui, c'est bien dit, je l'avoue. Un point de synchronisation ici aussi. Waouh, j'adore la petite cinématique. C'est jouissif. Voilà, on va le dire, c'est jouissif. Je crois que je vois ta taverne. On n'est pas loin. Arrêtez. Tiens bon. Merde. Oh, et merde. Si je t'attrape, je te brise les genoux. Merde, il s'enfuit. Je dois le rattraper. Je vais lui en sacrer une. Faites coincer, Shang. Bon coup de poing dans la gueule, c'est bien ce que tu mérites. Je vais te rattraper, ça je te le dis. Je suis derrière toi. T'as mal choisi ta victime, mon gars. Cet homme a des amis dangereux. 13 reales. Oh oh merde. Je crois que pour riposter, c'est haut.
merde et ma vie de merde. Donc voilà, il faut bien que je fasse attention à appuyer sur haut parce que sinon je vais me faire avoir. Tiens. Et ça y est, c'est terminé. Donc je vais retourner voir Steve. Non, Steed. Steve. Au fait, c'est Steed. Il est au point vert. Ah, t'es juste là, mon ami. Ça va, toi? Oh. Grand Dieu, vous êtes en vie. Bien sûr que je suis en vie. Oh, ce merde. Ne faisait pas le poids. Il a jeté son sucre. Oups. Ah, je voulais pas, hein. Désolé, Steed. Je me demande où ce qu'on va, là. C'est la taverne, ça? Ah oui, taverne. J'ai lu. Prends ton temps, je vais rester là. Ça fait bizarre de voir un Gallois en plein pays métèque. Je suis anglais, moi. Je ronge mon frein en attendant la prochaine guerre. Ce bon vieux Georges a bien de la chance qu'une outre comme toi le défende. Oh hé hey, toi, là. J'ai déjà vu ta tête. T'es de mèche avec ces pirates de Nassau. Tais ta grande gueule ou je vais la remplir de plomb, t'as compris? Edward, c'est ça? Oh! Et merde. Alors c'est parti, un combat plutôt rapide. Ça s'est passé assez vite. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez les gars, j'ai vu des oiseaux avec des plus gros bras. Il faut riposter, c'est ce qu'il essaie de nous apprendre là avec... En bas il y a la petite... un petit tutoriel. Non, il faut les blesser, c'est ce que je comprends. Oh, ils sont plusieurs là. Je sais pas si je vais pouvoir... Allez. Eh merde! Oh, ils sont solides, ces mecs. Ils sont solides, je vous le dis. Mais voilà, ça reste qu'on est un assassin. Même si on n'est pas un vrai assassin. Ça, on peut le dire, mais c'est pas grave. On a la vie d'assassin. Waouh, j'aime bien les... le flou qui se fait lors d'une attaque. On se reverra. Perro inglés. Et merde. Bombe fumigène, utiliser droite gauche pour sélectionner la bombe fumigène, appuyer sur triangle pour l'utiliser. Les bombes fumigènes mettent l'ennemi hors d'état pendant quelques secondes, ce qui vous fait permet de fuir ou de le tuer. Voilà, on va fuir, je crois. Il est là. Merde, c'est pas ce que je veux. On va fuir et on va essayer de faire ça assez rapidement. Accomplie. Ouais, c'était la mémoire 1 de la séquence 1, l'animation de la Havane. Plaquer les détrousseurs au sol, ça je l'ai pas fait, c'est sûr, c'est pas grave, reprochez-moi le pas, c'est pas si grave, hein. Bon, fumigène, voilà, 90%, c'est pas si mal. On va essayer de voir. Encore, il y a un point d'observation. Merde, j'ai rien fait. Tu dis que j'ai rien fait. Je veux seulement fuir, hein. C'est vous qui m'avez attaqué. Moi, je me défends. Je vais me rendre au point jaune parce que c'est la prochaine mission qui se trouve.
trouve à cet endroit. Wow. Wow, vraiment wow. Donc là on est à la Havane en 1715, si le temps est quand même réaliste et ça n'a pas avancé trop vite. Bonjour mesdames. Non, je vais pas les utiliser tout de suite. Mais plus tard, bien sûr, on devra sûrement même les utiliser en émission. Et mon sucre, la séquence 2. Désolé d'être parti si vite. On m'a pris pour un autre. Ils ont eu la main lourde. Oh. Ah, quelle poisse. Je suis désolé, tout est de ma faute. J'essaie juste d'éviter que les Espagnols me voient. Ah, c'est trois fois rien. Malheureusement, ces soldats ont confisqué mon sucre. Ainsi que vos papiers. Bon sang. Où ils sont allés? Je n'en ai aucune idée, à mon grand regret. Je crois bien que ces messieurs le savent, mais mon espagnol est muy maldad, alors mieux vaut que je m'abstienne. Ah. Bien, on va les suivre. Je dois récupérer mes cartes. Et mon sucre? Et j'en ferai quoi de ton sucre? On verra, mon ami. La vision d'aigle. Voilà. Permet de distinguer les éléments intéressants, mais les ennemis et les animaux en surbrillance rouge, les cibles et les objectifs en surbrillance dorée. La vision d'aigle avec L3 peut pas être employée en courant. Bon, c'est pas grave. Lorsque vous employez la vision d'aigle, vous pouvez marquer jusqu'à 10 ennemis ou animaux rien qu'en les regardant. Un ennemi marqué est repérable à travers les murs, même si vous cessez d'employer la vision d'aigle. Ah, ça c'est cool. Vraiment, ça c'est cool. On va la mettre. Wow. Donc là on est dans la Havane, hein. C'est une république sans foi ni loi. Et il y a beaucoup de corruption, d'avidité, de cruauté, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Donc voilà une petite description du lieu, ça peut toujours être intéressant. Ah, ils sont assez rapides. Je sais pas si c'est grave s'ils me repèrent. Oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Non, en fait, ça a pas l'air si grave, mais ils savent, hein. Ils savent qui suis-je. Oui, monsieur. Oui, nous sommes désolés. Notre capitaine nous a retardé. Arrête de me regarder, toi. Donc là... Oh. Ils s'en vont par où? Par là. Vous parlez du capitaine Mendoza? Oui, il est impatient de faire votre connaissance. Mais il doit d'abord assister à une pendaison. Merde, comment je vais faire? J'adore les pendaisons. Je vais monter sur le toit, je pense bien. Je crois qu'on n'a pas le droit d'être sur les toits comme dans les... les autres Assassin's Creed, mais voilà, on va le faire quand même. C'est le capitaine Mendoza. Parce que je suis méchant. Il doit toujours me payer les esclaves qui lui est vendu. Bien sûr, monsieur. Le capitaine Mendoza sera heureux de s'acquitter de ses dettes. On va fouiller son corps. Du sucre. Parfait. Wow, 25 réales, ça peut toujours être utile. Et merde, il... pas où ce qu'ils vont, c'est pour ça qu'on les suit. Et donc là voilà, on est dans le monde le plus dense d'Assassin's Creed jamais créé, donc c'est super, hein. Oui, monsieur, suivez-moi. Pendaison. Je me souviens quand les frères et le père des Dio avaient été pendus. Enfin, nostalgie. Oh, bonjour messieurs. Merde, je croyais pas qu'ils se seraient envenus par ici, hein. Je suis désolé. On va reprendre. Eh
faut que je trouve des danseuses. Peut-être que ça peut m'aider. Hein. C'est un objectif optionnel, mais en même temps, je crois que ça pourrait faire mon affaire. Bon, mon affaire, ça pourrait faire l'affaire. Allez, mesdames, j'ai besoin de vous ici. Suivez-moi. Wow. Je vais les avoir cette fois. Mais ils sont étranges, hein. Non, descends, descends, descends vite. Il faut les rattraper là. On a déjà du retard. Wow, ils sont rapides. Ce sont des rapides. Je rentre là-dedans. Elle sera bientôt finie, monsieur. Et dès que le capitaine Mendoza l'aura pendu. Ok, il bouge en même temps, donc ça va être difficile. Si, nous avons saisi une belle quantité de sucre la nuit dernière à un gros anglais. Un anglais? Si, du sucre des Barbades, de bonne qualité. Nous l'entreposons au Castille. Son propriétaire a provoqué le Rix la nuit dernière. Il a fui en abandonnant son sucre. Cela conviendra. Vais-je devoir l'accompagner au Castillo? Non, monsieur, non. Je pense que le capitaine Mendoza vous le fera livrer. Oui, c'est certain. Par tous les dieux, cette grande brute est le capitaine Mendoza. Non, monsieur. Ça, c'est El Tiburón, l'homme de main du gouverneur Torres. Oui, messieurs, je vous suis. Faites votre boulot. También me ofrezco para fiestas a bordo y como compañía en caravana. Je les recrute ou pas là? Non, non, non. De toute façon, je crois que j'ai pas assez d'argent. Hein. Est-ce que je vais rentrer là, moi? Désolé, monsieur. Voilà, je... Voilà, je sais pas par où est-ce que je vais rentrer. Est-ce qu'on peut monter en haut? On dirait que oui. Je vais tenter ça. Voilà, une échelle. Wow. Ok, on s'est fait repérer, hein. C'est pas si grave, on va se le faire bourrin. Ah, ils sont nombreux. C'est quand même difficile. Mais ils sont pas si forts, ça c'est ce qui est l'avantage. En tout cas pour l'instant, puisque dans Assassin's Creed 3, je me souviens, il y avait les gros soldats intuables. Et là, ça a pas l'air à être ça. Pour le moment, en tout cas. Je vais le fouiller et on retrouvera la clé.
pour aller chercher le suc de Bonnette et puis mes papiers. Je sais pas c'est quel papier. Prenez pas part au combat. Bon, j'ai pris part au combat. Voilà, lui, c'en est un gros. Moins que dans les précédents Assassin's Creed, mais il est costaud. Et il est difficile à combattre. Waouh, un double. C'était un combo. Mais bon, ça devrait le faire quand même. C'est cool, ça me va. Pour l'instant, tout va bien. Je dis bien pour l'instant. C'est assez difficile, je crois, hein. Je m'attendais pas à aussi difficile en partant. Oui, je vais le tuer. Je vais me le faire discrètement. On peut pas siffler. C'est dommage. Bon, pas discrètement, mais quand même. Disons à moitié discret, ça devrait vous convenir. Ah. Monsieur. Bon, c'est ce que je voulais tout à l'heure. J'arrêtais pas de cliquer sur haut, puis la porte s'ouvrait pas. C'est probablement parce que j'étais en combat. Steed, il est plus loin là-bas. Et si je sautais dans l'eau? Ouais, ça devrait le faire. Je vais atteindre Steed par là-bas. Donc là, on est vraiment dans un univers pirate. Hein. Pour l'instant, on n'est pas encore sur les bateaux et tout. Avec l'or et les combats navals. Mais bon. Ça devrait s'en venir très bientôt. Parce que c'est vraiment sur quoi est axé le jeu Black Flag. Donc perso ça me plaît les bateaux. Voilà, ça doit même plaire à tout le monde. Parce que c'est pas c'est un jeu, un des rares jeux dans lequel on a cet univers. J'ai pas, je veux dire, c'est presque nouveau pour tous. Voilà. Parce que bon, y a pas plusieurs jeux où la piraterie est présente et tout. Vous aurez compris, hein. Désolé pour ton sucre. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh, c'est sans conséquence. J'ai une cargaison suffisante pour tirer profit de ce voyage. Tu vas rester ici longtemps? Quelques semaines, probablement. Puis je retourne à la Barbade, à l'ennui de la vie domestique. Ne te résigne pas à l'ennui. Va à Nassau. Et vis selon tes désirs. Oh, j'ai entendu dire que Nassau était un vrai nid pirate. Un endroit des plus sordides. Pas sordide, libéré. Oh mon Dieu, quelle aventure ce serait. Mais non, non, je suis un mari et un père, j'ai des responsabilités. La vie n'est pas qu'une simple partie de plaisir, Duncan. Hé, hey, Bonnette. Je m'appelle Edward, en fait. Duncan n'est pas mon prénom. Ah.
un nom secret pour votre petite visite chez le gouverneur. Le gouverneur, oui. Je crois que je l'ai fait attendre assez longtemps. Mission accomplie, mémoire 2 et mon sucre, objectif optionnel, engager des danseuses, oui ça je l'ai fait, mais j'ai pris part au combat, malheureusement, et eh bien c'est pas de mon plein gré, hein. J'ai été obligé, disons ça comme ça. Donc voilà, c'est ce qui termine cet épisode numéro 2 d'Assassin's Creed 4 Black Flag, on se retrouvera dans l'épisode numéro 3 de cette série, très bientôt. Je vous le dis, on se dit à plus. Si c'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Twitch et Instagram. Donc c'était XKillerQCX de Synax Gaming. Et à plus tout le monde.